Bonjour. Bonjour la reine Gessler. Je m'accorde avec vous et je vous fortifie. Je viens ouvrir et accueillir le Dieu et la déesse qui se trouvent en vous. Je déclare que vous n'avez pas de limites. J'active votre esprit. Je vous reconnecte à vous-même et à vos ancêtres. Nous allons appeler les noms des ancêtres. Donc, vous allez donner les noms de vos grands-pères, grand-mères, pères, mères, tous les ancêtres qui sont partis. Donnez leurs noms et puis on va les appeler. On appelle ça une libation. Ok. J'appelle d'abord les miens. Bonjour la reine Lucrèce. J'appelle ma mère Aurélie Dénier, ma grand-mère Mathieu Gisèle, mon arrière-grand-mère Simo Dorothée, tous mes ancêtres que je ne connais même pas, que j'ai oubliés, mon grand-père Fodo Chrétien, mon grand-père Fodo Samuel, Amen. Ma grand-mère Poto Esther. Je vais commencer à faire des vidéos en anglais. Bon anniversaire, la reine Offerte. Bonjour, la reine Guinée. Donnez-moi les noms de vos ancêtres, je vais les appeler. I'm going to start doing English videos. Yesterday at the airport, I met a guy from Lagos. I'm sure that guy is a, you know, it's a chosen one. He's an agent of light. And his mother who passed a few years ago, she set up the meeting. Youssa Pauline. Kenya Luca. Amen. Le verset de pour vous. Grand-mère Mokodi Penda. Ndale Ndoko, grand-père Elongi. Elong Ekedi. My number is on this video, ok? Grand-mère Philomène, Mosé P. Et tous tes ancêtres. Ngoé Stéphanie Brigitte. Ngoé Brigitte. Grand-père David. Padia. Aucun Justin. Grand-mère Marthe. Grand-père Paul, grand-père Luc, Maja, Cibola. Papa Foguet Paul. Anna Jean. Inga et Génie. Gassam Paul, John Kumate, Kamga Joseph Madeleine et Madeleine, Macu Mapuche, grand-père André, grand-mère Marie, grand-père Kankou Prosper, Goujo Marie, Michel Tenke, Amen, Koupele Kwam, Amen, grand-mère Aloïse, le père. Des ancêtres, Suzanne. Grand-mère Bernadette, grand-père Dieu donné. Je te laisse, oui. Grand-père Mengue, grand-mère Mayenge, Yoni, grand-père Kenongo, grand-mère Moja Désiré. Bon, vous savez quoi? Appelez leur nom pendant que je verse. Allez-y, grand-père Émile, grand-père Kwamsombo, grand-mère Monté. Donnez les noms de vos grands-pères, grand-mères, de vos ancêtres. Grand-mère Latu Pauline. Ah, c'est ton homonyme. Arrière-grand-père Thiemani. Grand-mère Célestine. Grand-mère Messina. Père Gaston. Arrière-grand-père Mouikaye Émilie. Émile. Grand-père Mboulet.
Grand-père photo. Grand-mère Meunier. Nous appelons aussi Abraham, Isaac, Jacob, le Seigneur Jésus. Tous les saints qui nous ont quittés. Grand-père Kuat et Maurice, Joseph Changé, grand-mère Mala, grand-père Ndui, grand-mère Ndui Djel. Grand-mère Rachel, grand-mère grand-père Salomon, grand-père Salomon, mère Argentine, mère Siki. Théodoxie, Lily Christian, grand-père Kuat et Maurice, grand-mère Awo, grand-père Wanda, la mamie Vité. Nous appelons Isaac, Jacob, tous les ancêtres, tous les saints qui nous ont quittés, Macuine et Josiane, grand-mère Yomo, Bal, Mélange, Jean. Nous appelons. Nous demandons pardon premièrement de vous avoir oublié pour longtemps. Nous demandons la restauration. Grand-mère Mogou, Charlotte et tous les autres grands-pères et grands-mères qu'on va appeler. Voilà. Oché. Voilà. Appelez. Physiquement, verbalement, le nom là où vous êtes. Nous demandons votre sagesse, votre direction. Nous recevons la restauration de tout mensonge que nous avons cru de l'ennemi qui nous a ralenti, bloqué. Nous acceptons pleinement la mission que vous avez pour nous. Nous acceptons de faire la continuation de ce que vous avez commencé. Nous acceptons de prendre sur nous la mission qui nous a été confiée avant que nous ne soyons nés. Nous recevons la sagesse et la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous êtes appelés à faire. Et ces choses, vous les connaissiez depuis, mais il y avait du doute. On m'a chargé de vous dire ce matin. Je vais la laisser parler. Parce que, à voir qu'elle traduit, je mets un peu ma place sur ça. Vous êtes comme des personnes qui sont comme des chiens qui vont être lancés dans une course. Beaucoup d'entre vous, vous avez été retenus pendant des années à cause de votre environnement, à cause des conditions que vos parents n'avaient pas réparé. Vous avez subi des abus verbaux, physiques, sexuels, mentaux, émotionnels. Et durant tous ces moments, vous saviez que vous n'êtes pas seul, que ceci, ce n'est pas tout, qu'il y a plus que ce que vous étiez en train de vivre. Mais avant, vous n'osiez pas. Il y avait comme un blocage. Vous n'arriviez pas à vous voir avec beaucoup d'argent. Vous n'arriviez pas à vous voir heureux. Vous n'arriviez pas à vous voir épanoui, n'ayant besoin de personne. Nous venons vous demander maintenant d'ouvrir les yeux, de prêter attention. Vous allez commencer à arrêter de vouloir ce que les gens veulent de vous. Certains ont poursuivi le mariage pendant des années.
Et vous êtes pauvre et marié. Ouais, nous pesons bien nos mots. Pauvre et marié. Certains, vous avez poursuivi les papiers. Bien sûr, vous n'avez pas encore les papiers totalement, mais vous êtes toujours pauvre et sans papiers. Pauvre avec les papiers. Et dans tout cela, vous avez peur d'un gouvernement. Vous avez peur de l'opinion d'une famille. Vous avez peur de l'opinion d'un homme. Ou des hommes. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à entrer dans votre, en anglais on dit deity, dans votre divinité. Jean 10, 34, vous êtes des dieux. Nous voulons que vous commenciez à méditer. Le Dieu qui était, c'est vous. Le Dieu qui est, c'est vous. Le Dieu qui sera, c'est vous. Est-ce que c'est possible qu'un Dieu soit limité par une situation? Toutes ces situations étaient des distractions. Nous avons dit déjà en avance que le premier problème que nous allons résoudre dans votre vie, c'est le problème d'argent. Vous qui nous suivez, qui faites ce qu'on dit, dans quelque temps, l'argent ne sera plus un problème. Vous pourrez aller où vous voulez, conduire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez, être avec qui vous voulez. De là où nous sommes, nous voyons tout. Nous avons accès à tout. Et très peu d'entre vous, oui, mais certains, ont commencé à écouter ce que nous leur disons à l'intérieur. Très souvent, ce sera le matin que nous allons vous parler. Quand vous êtes en train de faire des voyages d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a des portails qui sont ouverts. La sensation que vous avez le matin quand vous vous réveillez, ne l'ignorez pas. Beaucoup d'entre vous, vous recevrez vos messages quand vous allez ouvrir les yeux le matin. Je sais que je dois partir dans cette ville pour vivre. Je sais que je dois acheter telle voiture. Je sais que je dois faire telle chose. Je dois divorcer. Cette connexion sera pour vous la vie. Vous n'allez pas vous reposer sur les conseils des gens. Vous avez remarqué que la reine Jocelyne vous enseigne l'indépendance spirituelle et émotionnelle. Beaucoup d'entre vous avaient été habitués au chantage, même de vos pasteurs, de vos coachs, de vos leaders. Les vraies choses commencent quand vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de personne. Là, vous pouvez manifester votre voiture de rêve, vos voitures de rêve. Vous pouvez créer des sommes d'argent dont vous n'osiez même pas prononcer des montants avant. Vous allez remarquer que votre déclaration avec le don a changé. Quand vous utilisez le don, il y a des matins, vous vous surprenez en train de dire des montants qui sont pour l'instant impossibles, incroyables, inimaginables. Parce que votre pouvoir est en train d'être restauré. Vous pensiez que lorsque nous sommes morts, nous étions partis. Aussitôt que nous fermons les yeux, nous revenons immédiatement vers vous. Même avant d'être enterrés, nous sommes déjà avec vous, en train de vous assister. Nous sommes votre force. Nous sommes votre backup. Nous assurons vos arrières. Beaucoup d'entre vous, vous êtes de plus en plus confortables avec l'idée que nous ne sommes pas partis. Certains, ça fait longtemps que vous n'étiez pas partis au village. Vous avez commencé à venir nous visiter. Nous sommes contents.
Est-ce qu'on peut avoir une relation sans se fréquenter? Car nous venons à vous tout le temps. Est-ce normal que vous passiez 15 ans sans venir nous voir? Est-ce normal que vous passiez des jours sans nous parler? Bien sûr que vous allez oublier notre voix. Bien sûr que vous allez oublier comment nous fonctionnons. Même chez vous, les humains, physiques, dans la chair, vous tombez amoureux à cause de la proximité. Vous passez du temps avec quelqu'un et soudainement vous trouvez, oh, mais elle est sympa. Je pense que je l'aime. Nous pouvons vous localiser où que vous soyez. Maintenant, nous voulons que vous soyez conscient de notre présence. Vous qui écoutez, vous êtes des rois. Et c'est très difficile à croire. Moi qui étais menacé dans ma famille, moi détesté par mes frères et sœurs, moi détesté par ma tante, moi que la femme de mon père insultait toujours vaut rien. Donc je suis une reine. Tout est dans votre croyance. Et aussitôt que vous croyez, vous le devenez. Aussitôt que vous croyez, vous l'êtes. Il y a des gens que vous considériez comme des personnes très riches. Waouh! Quand j'aurai l'argent, je vais acheter ma part de voiture comme lui. Ça faisait 10 ans. Mais nous vous annonçons que cette année, vous allez acheter des voitures dont vous n'aviez jamais imaginé conduire avant 25 ans ou 20, ou même encore avant 2070. Parce que tout se passe lorsque vous ouvrez le portail de divinité qui se trouve en vous. Vous êtes un portail. Pensez à un roi. Un roi se lève, il s'assoit. Il ouvre la bouche, il dit ce qu'il veut. On lui apporte la chose. Quand vous dites que vous êtes des rois, est-ce que c'est pour tromper les gens? Pourquoi vous ne faites pas ce que les rois font? C'est personnel, on n'est pas là pour impressionner quelqu'un. On l'est. On l'est. C'est dans l'ADN. Il y a une analogie que la reine Jocelyne même souvent a utilisée. Si on dépose un roi à Bafoussam, peu importe le pays, un roi reste un roi. Et deuxième chose, si ce roi est amnésique, c'est-à-dire il ne connaît pas sa puissance, il ne connaît pas sa richesse, il ne connaît pas le royaume dont il est roi, et on le dépose dans un pays quelconque, il sera irrésistiblement attiré. Parce qu'il est bien. Il va se retrouver dans un quartier chic. Il va aller dans l'une des plus belles maisons. Sonner. Il va dire, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois être ici. Parce qu'il y a un compas, il y a une boussole à l'intérieur de ce roi. Qui connaît qu'il est roi. Il va voir des belles voitures passer. Il sera attiré comme de l'aimant. Et cette voiture, sa démarche ne sera pas comme celle de tout le monde. Sa façon de s'exprimer ne sera pas comme pour tout le monde. Il va commander. Parce qu'on est en train de dire, donnez-moi ça. Oui, je sens. Naturellement. Il est temps que vous laissiez votre divinité prendre le dessus. Certains d'entre vous, vous étiez comme enterrés
Et là, vous êtes en train de ressusciter. Il me montre l'image de résurrection. Et là, vos poumons s'activent à nouveau. Vous commencez à respirer le luxe. Vous commencez à profiter du fait que vous pouvez commander. Votre royaume n'est pas de ce monde. Vous avez des forces bien plus fortes que vous ne le savez, qui attendent vos commandements le matin. Quand vous êtes bloqué, appelez-nous, vous allez voir. Vous allez voir. Prenez ceci comme un problème de vie ou de mort dans votre vie. Parce que tout le monde meurt, mais ce n'est pas tout le monde qui vit. Ça, c'est Drake qui a dit. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Beaucoup d'entre vous étiez morts parce que vous attendiez quelqu'un d'autre pour vous ressusciter. Vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes votre propre James Bond. Vous êtes l'acteur de votre film. C'est vous que vous attendiez depuis. Ça fait 10 ans que tu attends que quelqu'un, l'homme là, vienne te sauver. Que tu attends de rencontrer un homme. Personne ne vient, non. Faites de la méditation. Passez du temps très tôt le matin. 15 minutes dans le silence. Allez au village. Faites 2 semaines au village. Vous allez enlever la peur de votre corps et de votre cœur. La reine Jocelyne parlait avec un jeune homme hier. Et là, il lui dit comment il a été connecté avec nous, reconnecté avec nous. Il est allé au village, il a passé 1 mois. Et dans la nuit, quand il se couchait, il pouvait voir des animaux nocifs, genre un python, passer à côté de lui sans lui faire de mal. Vraiment, des animaux vraiment dangereux, entre guillemets. Mais il avait passé une étape où la peur était sortie de lui. Comme un bébé. Son esprit avait accepté l'hypothèse de la mort et l'hypothèse de se laisser aller, de mourir pour vivre. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de ça. Chaque jour, quand vous vous levez, dites-vous toujours, si je fais faillite, si je perds tout ce que j'ai, au lieu de laisser la peur vous envahir, oh non, on va se moquer de moi. Dites-vous plutôt, je reconstruirai, oh chakarabas. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Jésus avait compris la puissance qu'il porte. Détruisez-moi. Je vais me reconstruire en moins de temps, plus beau, plus fort, plus riche. Plus beau, plus fort, plus riche. Écrivez plus beau, plus fort, plus riche.
Vous vous levez ce matin, votre chiffre d'affaires, c'est 10 millions. 500 000 euros. Si je fais faillite aujourd'hui, je me relève avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai pris 10 ans pour arriver à 500 000 euros. Je reconstruirai ceci en 4 mois. Plus beau, plus fort, plus riche. Ce mari t'iconne, cette femme t'iconne, m'empêche d'avancer. Elle me menace tous les jours qu'elle va partir. Parce qu'elle croit qu'elle va partir, elle va détruire mon mental. Plus beau, plus fort, plus riche. Vous n'aurez plus peur de personne. Vous n'aurez plus peur de rien. Parfois, vous vous agrippez à ce qui est passé et qui avait été construit dans la peur pour ne pas manifester ce qui fait vraiment partie de vous. Ils vous ont laissé à terre. Vous étiez comme un matelas, comme un tapis d'entrée de maison. Et là, vous vous réveillez. Car l'argent ne demande pas l'argent pour venir. L'argent demande la puissance. L'argent demande de la puissance pour venir. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire l'argent. Nous sommes en train de vous reprogrammer. Vous voyez une seule voiture, une Prado comme votre apogée. Plus beau, plus fort, plus riche. 5 Prado dans le parking. Dans votre 3e résidence. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez recevoir beaucoup d'idées. Tellement d'idées vont venir à vous. Ça, c'est vous. That's you. Les idées de business, les propositions de business, il faut de l'énergie et de la puissance pour faire de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui appelle l'argent. C'est la puissance qui appelle l'argent. Il y a des sommes que vous n'aurez plus peur de demander. Il y a des montants que vous n'osiez même pas dire. Je vaux ça, payez-moi ça. Vous n'osiez pas dire. Plus beau, plus fort, plus riche. La somme dont vous aviez peur là. On m'attend encore la moitié de cette somme là-dessus. Vous demandez ça. Plus beau, plus fort, plus riche. La reine Jocelyne a été dans un restaurant une fois. Elle avait de la peine pour mettre des prix sur ses produits. Quand elle voit ce qu'elle voulait demander pour le repas. Elle se rend donc dans ce restaurant. Les prix étaient 5 fois plus que ce qu'elle pensait faire dans le sien. Mais elle avait envie de manger dans ce restaurant. C'était un plaisir. Elle avait hâte d'y manger. Et quand elle s'est assise à manger, l'esprit lui dit. On ne paye pas ton service. C'est ta puissance qu'on paye. Certains d'entre vous, vous allez gagner plus que vos mentors. Et je vous en donne la permission.
Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi, ce que je fais, il fera, et bien plus encore. » Oui. Oui. Pensez à vos plus grands mentors, parce que la mentalité camerounaise, c'est genre, comme c'est moi qui t'ai formé, tu ne dois pas me dépasser. Oh no, heaven no. Comme c'est moi qui t'ai formé, tu dois me dépasser. Donc, quand nous allons revenir vers vous avec ces idées que vous avez rejetées avant, cette fois, vous allez vous ouvrir l'esprit. Marchez avec des cahiers. Ayez un bloc-notes sur vous pour noter, pour prendre des notes. Parce qu'il y a des idées que lorsque vous les laissez partir, Lily, tu vois seulement le voyage? Et si tu devenais riche ici avant de partir? Votre esprit est tellement fermé. C'est pas la petite maison là, le petit terrain là, le petit business là. Ça fait 6 mois que vous priez pour ouvrir votre petite. Je vais ouvrir mon petit. Oubliez l'argent pour ouvrir le petit truc là. Les 500 000 que vous avez mis de côté là, oubliez ça. Commencez à demander 20 millions. Je vais ouvrir mon petit truc. J'ai déjà rassemblé 500 000. Oui, j'ai mes 5 000 euros ici là. Vraiment. Vraiment. Je vais faire mon petit truc. Mon petit, petit truc. Bigger, stronger, better. Vous allez surprendre les gens qui vous ont sous-estimé. Oh, j'ai même mentionné que la petite fille là, pff, personne dans sa famille n'a rien fait. Pardon, laissez-la s'embrouiller là-bas. Est-ce que tu sais que Jocelyne a... Ah non, 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 non. Je suis dans le jet privé, oh. Hein? Je suis dans ceci. Hein? Elle est maintenant au Wall Street Center là-bas, oh. Hein? Elle fait quoi aux États-Unis? Elle fait quoi avec les maisons et les entreprises aux États-Unis? On vous a trop sous-estimé. Enlevez votre esprit sur le petit argent que vous avez gardé depuis 6 mois là. Prenez même la moitié, vous partez faire le don dans un orphelinat. La preuve en est que vous n'avez même pas payé vos dîmes sur l'argent là. Depuis 6 mois, vous regardez l'argent là comme ça. Et si l'argent c'est fini, et 6 mois, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Ah, j'ai vu mon petit business. Si j'achète ma petite starlette, hein? Qu'en est-il de la dernière Mercedes? Dernière Range Rover? Célestine, si tu es âgé, ne viens pas me dire. C'est là. Tu es âgé plus que qui? Tu es vieux plus que qui? Ici, âgé. Tu es vieux plus que qui?
Vous aimez qu'on ait pitié de vous. Vous êtes au mauvais endroit. Hein. Quittez sur ma page. I'm sorry. I ain't gonna be pitié of you. I'm not feeling bad for you. Eh ouais, oh. Les millions d'euros là, qu'on vous dit que voilà, gna 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 gna. Elisabeth. Si quelqu'un vient me mettre sa situation de pitié ici, je bloque la personne. Je vous dis en avance. Ne venez pas gâter ma vibration. Vous êtes plus pauvre que qui? Vous êtes plus démunis que qui? Vous êtes la première sans papier? Vous aimez quand on a pitié de vous, ça vous nourrit. Je me sens mieux. C'est ce qui te bloque. J'aime qu'on a pitié de toi. J'ai élevé mon enfant seul. Vous savez, ce n'était pas facile. Mouf, qui est là-bas? Mouf. C'est pour ça que tu n'as pas l'argent. J'aime qu'on a pitié de toi. Est-ce qu'on réfléchit même pour faire le don? Tu parles même de quoi, Lily? Tu te lèves le matin, tu pars chercher un orphelinat, tu donnes. Après, l'esprit te dit encore qu'on va donner à telle personne. Tu pars, tu donnes. Vous aimez compliquer les choses. Tu marches même comme ça dans la journée, on dit va donner 20 000 à l'enfant, là, au père, là. La prospérité donne. Vous serez surpris de voir les gens qui ont les grosses voitures là. Ils n'ont pas là. Ils sont pauvres. Hein. Pauvres dans la tête. Un jour, j'ai marché avec une de mes clientes là. Elle me demande seulement que je pars, je marche ici, je donne. Je fais ici, je donne. Je fais, j'ai dit que. Elle était dépassée. Celle de la terre. Olivia, peut-être que tu es nouvelle sur ma page. Moi, bloque-moi les gens. Vous ne me connaissez pas. Vous pensez que je cherche les followers. Vous ne me connaissez pas bien. Célestine, même toi, tu vas te bloquer. Ma chérie, moi là, tu vas m'aller créer notre propre pour venir me suivre. Le complexé. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils aiment donner quand ils savent qu'ils sont sûrs que je veux donner à quelqu'un qui me connaît. Comme ça, il sait que demain, quand elle va me voir, elle va toujours me poursuivre, elle va faire le lèche-botte. C'est de là que tu tires ton. C'est de là que tu tires un peu ta petite satisfaction. Ne vous inquiétez pas. Si vous restez, vous ne voyez plus ma page, je vous ai bloqué. Anneau de blague. Abonnez-vous. Likez ma page. Partagez. Ma scène, ma faux. Vous-même là, vous avez des rêves. Tu as rêvé qu'une sorcière est venue frapper ton dos et que tu t'es réveillé, ton dos faisait mal. À ton avis, tu veux qu'elle te traduise ça comment? Une sorcière est venue frapper ton dos dans la nuit, tu as eu mal au dos. C'est common sense. Vous aimez la dépendance? Comme je paye ma dîme, je paye ma dîme de 500 000 chez elle. Elle va m'écouter. Moi là, tu as menti. Eric, tu as menti. C'est que tu as expiré dans ma vie. Tu as expiré dans ma vie. Toute personne qui te donne ou à qui tu donnes, et encore un sentiment de
Elle n'a pas dit merci, pourquoi? Le mois prochain. Elle n'a pas dit merci, pourquoi? Mais je suis ton Dieu. Je viens de te donner 100 000 francs. Écoutez. Il y a des... il y a les dons que vous me faites. Tu me donnes 500 000. Avant d'arriver chez moi, j'ai tout donné. Je suis allé acheter un bon truc qui me plaisait, ma 300 000. J'ai partagé le reste. Si tu regardes la porte, tu vas venir me dire, hey, ma reine, hey, tu sais, je vais t'appeler à 3h, tu vas décrocher, non? Tu ne me connais pas. You don't know me. You don't know me. Détachez-vous de toute attache émotionnelle avec les gens. Ah, c'est quand même le père de mes... C'est mon plus gros client. Hein. Ah, il vient chaque jour, te manque de respect. Il te fait des dragues déplacées. Alors qu'il sait que tu es marié. Ah, si il part. C'est lui qui bloque ton business, ma chérie. Il y a des énergies qui doivent quitter à côté de vous. La nuit que ton gros client là est parti, ou ta grosse cliente là, quand elle te donnait l'argent, quand elle va partir, moi, chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui est un peu venu, clienticone, enfanticone, que oh, je paye ma dîme, comme tu payes ta dîme chez moi, tu n'écoutes pas mes enseignements, hein. Arrête de payer ta dîme, quitte. Meuf, je sais que ce que j'enseigne est vrai. Je sais que ça marche. Demain, tu vas venir dire que c'est moi qui l'ai fait. Moi. C'est comme ça qu'on vous tient. Hein? Je passe une heure par jour, si ce n'est 2 ou 3 heures. Je mets des enseignements ici. Et je vous dis toujours, je ne suis pas votre Dieu. Parce que je suis mon propre Dieu déjà. Je ne peux pas être Dieu quelqu'un d'autre. Je suis une passerelle. Je suis un messager. Un guide. Je vous montre le chemin qui conduit à vous-même là-dedans. Jésus lui-même est venu. Jésus a dit que I am the way. Comment t'as adoré aujourd'hui? Demain, c'est lui qui sera en train de parler mal de toi dehors. Jésus lui-même connaît. La Bible dit que Jésus connaissait que les gens qui sont en train de t'adorer aujourd'hui, là, demain, ils vont te crucifier. Et ne compte sur personne. Personne. Tu vas te faire le chantage. Oui, je vais te faire la recette d'un million. Oui, quand je t'ai fait un million aujourd'hui, là, je vais maintenant te parler. Oh. What are you talking about? What the heaven are you talking about? Parfois, quelqu'un vient me donner la dîme de 2500. Je m'assois, je bénis la personne là jusqu'à... L'autre vient avec sa dîme. Ok, comment j'ai donné 500 000? Comment j'ai donné 2000 euros? Ouais, voilà. Ouf, ne vous laissez pas blackmail. Votre puissance est en vous. Et c'est dans votre vibration. Il y a des clients que vous devez laisser partir. Il y a des services que quand vous faites, ça vous ralentit. Et vous devez arrêter. À bon entendeur. Tu laisses partir. Dès que tu laisses partir comme ça, le lendemain, tu as une autre idée de business. Proposition de business. Ton chiffre d'affaires avant, c'était 5 millions. Dès que tu laisses partir la personne qui te fait le chantage là, le lendemain quelqu'un vient avec un business de 20 millions. Tu dis, mais tu étais où depuis? Non, celui qui te donnait 5 millions l'a bloqué. Il bloquait l'espace. Ton client de 5 millions l'a bloqué.
Il bloquait ta vibration. Tu faisais des problèmes. Il y a des endroits que vous devez déménager de là. Tu vois, le soir, tu n'as pas mis les poubelles dehors. Hein? Tu mets la musique, ça fait trop de bruit. Hein? Parce que ton bailleur, ta bailleuse n'a rien d'autre à faire. Rien. Dès que tu sors le matin, elle ouvre. Elle est en train de partir. Ou voilà. Freedom. Et si ces gens-là vous énervent, vous construisez votre maison en 6 semaines. Vous venez 6 semaines, vous construisez votre maison, vous partez aménager chez vous. C'est bon quoi? Ils vous énervent, vous achetez la maison. Chaque fois que j'ai fait quelque chose de grand dans ma vie, plus grand que ce que je pensais avant, c'est quand j'ai eu quelqu'un qui m'a énervé. Un bailleur m'énerve, il m'énerve, c'est quoi ça? Je vais pas aller chercher une maison qui est plus chère et plus grande. Après, là, ce matin, on s'est dit, la maison, c'est même petite. Hein. Alors que ça fait un mois que je suis à la maison là. Je change encore. Après, quelqu'un d'autre fait, tu te dis, il faut qu'elle construise. En juin, là, elle doit entrer chez moi. Je rentre chez moi en juin. Voilà, c'est bon, j'ai décidé. 2 semaines plus tard, 15 millions tombent. Pian. Vous, écoutez, vous n'avez pas décidé. Vous voulez qu'on vous menace encore un peu. Vous ne vous êtes pas encore décidé. Tu es chez l'homme là, tu es chez l'homme là chaque jour, il te fait comme ça là. Tu es chez lui, il te tourne. Ma chérie, tu auras les maisons. Tu auras les maisons. Les voitures. Ah, ton ex va seulement te saluer à distance. Oh Seigneur. Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Parce que quand ils vous voient, eux-mêmes, ils ne savaient pas que vous pouviez faire ce que vous avez fait maintenant. Moi, je vous dis que vous n'êtes que ce n'est que l'escalier qui mène à. Vous êtes sur la 3e marche, ils crient déjà. Quand vous allez arriver à la 150e marche, ils vont dire quoi? Come on, get up, level up, level up. Vous avez trop à faire. Vous n'avez pas le temps de petits. J'étais donné 5 000. Tu as fait comment? Hein? J'avais envie. Je voulais manger les gambas aujourd'hui. J'ai acheté des gambas de 15 000, j'ai mangé, chérie. Oui. Écoutez, les gens que vous voyez, apparemment, ils ont l'argent plus que vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la prospérité dans leur tête. Vous êtes prospère. Donc, si vous m'écoutez depuis quelques temps là, vous savez que ce que j'ai dit là, c'est en vous. Maintenant, la saison de l'accomplissement est là. Agissez. Je ne suis même pas sur les rêves, Almel. Je suis sur l'accomplissement. Les rêves grands. Je ne veux pas les. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas les. C'est pour ça que je ne viens pas avec les livres. Je ne viens pas avec les philosophies. Ce que je dis là, l'enfant de 5 ans peut m'écouter. Il comprend. Il t'explique moi après. Que maman, mais la tata, elle a dit que tu dois faire comme ça. Oui. Je ne viens pas avec les grosses citations. Lève-toi seulement, tu dis que okay, la chambre de 25 000 là, c'est bon. D'ici 2 mois, je dois me retourner dans un endroit, je paye 150 000. C'est pas difficile. Tu es dans les 25 000, on te. Tu es rentré tard, tu as ouvert le portail la nuit. Pardon. Je vous en prie. Il y a des gens qui n'ont même plus le droit. Il y a des gens qui ils n'ont même plus le droit de s'engueuler avec vous. C'est trop d'honneur que vous leur donnez. C'est trop d'honneur. Tu as vu une reine. J'ai vu un truc l'autre, le statut de quelqu'un. On disait que qui va aller chercher Poutine? Regarde, Poutine est sur un niveau qu'elle est. Pourquoi tu quittes là où tu viens le chercher? Tu dois avoir le cœur. Est-ce qu'il il parle avec vous? Il parle de quoi? Il dit, okay. Quand tu as la politique de tes moyens,
Vous allez devenir insolent. La fille là se prend. Mais je ne me prends pas, je suis. Je ne me prends pas pour. Je suis. Où est la différence? Je ne me prends pas pour. I am. Good. Good girl. Good. That's good. Où est DJ Khaled, non? Il dit, you're smart. You're beautiful. I got to maneuver the jungle. Après, il dit, with the best music. Oh, Khaled a fini avec. Lola a fini avec. Il me plaît jusqu'à. J'aime le regarder. Il est roi dans son monde. Il s'en fout de vous. Il saute son ventre et fait que koudou, koudou, koudou. Il s'en fout. Aïe. Ah, yeah. Bye bye. Pourquoi je parte, Seigneur? Aïe, je suis à Douala. De commencer mes marches. Tu vois, sur ça, là, quand je suis un peu down, je mets la musique de DJ Khaled. Je passe la musique, je mets. Après, nanananana. I want it all over my body. Hey, tu me salues avec le bon baffle dans la voiture là. Il y a sa musique là qui chante, ça s'appelle c'est Jealous, Jealous. Au début, il parle avec Jennifer Lopez. Jennifer entre dans la voiture avec son string qu'on voit un peu à distance là. Elle est en blanc blanc. Elle dit, ils seront toujours jaloux de toi, mais tu sais quoi? Tu dois avancer. Il la regarde comme un enfant qui est en train d'écouter son maître. Ouais, 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 you're right, you're right. Après, il sort avec elle là, il marche. Pim, pim, elle a ses talons, elle casse un peu la démarche. 50 ans, hein, toujours fraîche. Ah, bastos. Elle marche, elle marche. Après, commence la musique. Jealous, jealous. With the best music. Ah, shit. Bon, ma pardon, laissez. Les bonnes choses. La sauce gombo. Personne ne vous peut. Hein. Personne ne vous peut. Vous ne vous connaissez pas seulement. Vous ne vous prenez pas pour. Vous êtes. Je ne me prends pas pour. Je suis. Vous voyez la différence? C'est pas de l'usurpation d'identité. La conférence des Cayennes arrive. Je vous ai promis, non, une conférence des Cayennes. Si tu n'as pas la Cayenne, tu peux louer la Cayenne pour venir à la conférence avec ça. Donc préparez-vous déjà. Avec le chauffeur, donc tout ça là, oui, ça arrive. Après, on fera les conférences des Bentley. Je crois que pour les conférences de Bentley, je ferai ça à Paris. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas assez de Bentley pour qu'on fasse une conférence. Donc, mais les Cayennes, il y en a, oui. Donc, préparez-vous déjà. Avant la fin d'année, ce sera lancé. On va faire les belles choses. On va s'asseoir, on va fumer du cigare cubain. Boire du whisky à $2000 la bouteille. Pardon, excusez-moi, quand commence mes folies. Hein. Ah, Seigneur. Seigneur, je suis béni, je me bénis. Il me bénit. Ah. Je parle comme ça, certains d'entre vous, votre revenu, c'est de 50 000 francs le mois. Dans 6 mois, vous serez en mesure de sortir 2 millions, 5 millions, comme un jeu. C'est pas la blague. Il y a des directs où j'ai fait, je vous ai montré, mais ça, avant, je faisais de mes rentrées d'argent, je comptais. Maintenant, j'ai tellement d'argent que je n'arrive plus à compter tout l'argent qu'il y a dans ma poche par jour. Donc, je crois que j'avais fait un direct, je vous avais montré ça. Janvier 2021. Premier mois, je ne payais pas ma dîme. J'avais 200 000. Deuxième mois, j'ai commencé à payer ma dîme. J'ai eu 220 000. La différence, c'est que le mois là, les clients étaient venus en moi et la moitié de l'argent, c'était les clients. Troisième mois, 400 000. Quatrième mois, 1 million. Cinquième mois, 1 million 6. Donc en janvier, tu es rentré dans 200 000. En avril, tu es dans 1 million 6.
Vous comprenez bien. Si vous êtes dessus 200 000 depuis 6 mois, depuis 6 ans, vous êtes en retard. Vous comprenez, non? Voilà. Passez une bonne journée.